Et oui, j'ai décidé de commencer ce stream en chanson avec cette parodie alpine de Chant Breton. Et pour vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau numéro de The Peak Musky. Et oui, 19h, c'est l'heure du crime, non, c'est l'heure du stream. Et on va partir aujourd'hui se taper un petit chemin que je ne connais absolument pas. Et alors, pas du tout. Voyons voir la gueule de l'animal. Tenter qu'il veuille s'afficher peut-être. Viens, petit scarabée, montre. Montre tes pixels. Oh, tu es tout beau. Oh, tu es tout joli. J'ai stream. J'ai 2020. Donc, un shmup des années 2000. Et oui, non, pas 2020, on n'y est pas encore. Et qui m'a l'air tout à fait fréquentable, bien que la boîte soit totalement inconnue. Alors, ça va être la repompe de quoi? C'est la surprise du jour. Renou fait voir un mode de démo, s'il te plaît, tu seras bien aimable, voire même urbain, comme on dit. S'il te plaît, maintenant, tout de suite. Alors, le vaisseau, c'est normal, la super bombe, c'est normal. Par contre, des petites cases sur la jauge, vous allez voir, elles se remplissent de différentes couleurs. Bah, c'est les couleurs en fait que vous ramassez avec vos bonus. Là, il y en a un bleu, c'est des trucs carrés. Et donc chaque bonus vous donne, je ne sais pas pour l'instant, une arme supplémentaire, une méga bombasse, no lo sé, muchacho. Il va falloir pratiquer pour ça. C'est pas pratique, Patrick. Il n'y avait pas un mec sur nos lives qui s'amusait avec ça déjà. Et oui. On va faire de la pratique, hein. Ce sera peut-être plus explicite et je comprendrai enfin à quoi correspondent ces couleurs et s'il y a un intérêt à spécialiser une arme plus particulièrement qu'une autre, par exemple. En tout cas, ça a l'air très joli. On y va. Je stream, j'arrive. 10 millions de crédits plus tard. Donc, il ne m'explique pas de touche. Ça veut dire qu'il n'y a rien de scientifique, je devrais comprendre tout seul. C'est la bonne nouvelle du jour. Tir chargé, il n'y a pas. Ok. La bombe, j'espère qu'elle est à droite. Ça me rassurera. On ramasse le petit bonus, comme d'habitude. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir un petit diesel, mais qui marche pas mal. Et puis, vu que les ennemis ont aussi des diesels, du coup, hein. Donc là, j'ai ramassé un bonus et on a vu que, bah oui, ça se remplit avec la couleur que j'ai chopée à ce moment-là. Alors, est-ce que ça vaut le coup? J'ai essayé un autre bouton pour voir s'il y avait quelque chose, mais bon, je désespère un poil. Même pas un gros bonus. Pas trop compris. Par contre, celui-là, je l'ai bien mangé. Alors oui, je parle pas sur ce stream parce que je suis comme vous, je suis très curieux. Vu que je connais pas l'animal, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Je sais très bien par contre que je vais me prendre un max de boulet dans la gueule pour l'instant. Et si je me jette dessus en plus, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Il est l'heure d'essayer la super bombasse. D'accord. Donc ça m'a bouffé un peu de la jauge, mais... Voilà, je me retrouve avec un super tir temporaire, je pense. Oh putain. Oh le gars, il te lâche un petit pruneau sympa, machin. Puis en fait, ça multiplie sa vitesse instantanément par 78. Non, pas deux fois. Et non, mon gars. Waouh, il y a un jeu de pattern qui est assez rigolo sur celui-là. Ça aura au moins le bénéfice de taper dans l'originalité. Il faudrait que j'arrête de me jeter dessous, ça serait pas mal aussi non plus, je pense. Le bordel de... Alors quand je vous ai dit que je ne m'avais jamais pratiqué, je pense que ça se voit totalement. Hop, ça c'est fait. Ça aussi. Ça c'est pas super dur à éviter, mais... Il est bien celui, le bougre.
Je vais mettre une petite retenue sur la jouabilité là, parce que ça me paraît bizarre. Donc les patterns, elles arrivent, on a un peu de mal à les saisir la première fois qu'on débarque dedans, c'est clair. Et puis l'usage des couleurs là, j'aurais bien aimé un petit brief au démarrage parce que je vais être plus bête que la moyenne. Du coup, je ne comprends pas tout. Ça va pas m'empêcher de le terminer avec ce vaisseau là, tiens. Allez. Non, pas celui-là, il n'a pas les bonnes couleurs, je vais en prendre un autre, un mot. C'est le prétexte de fallacieux pour dire. Je vais bien raconter une énorme connerie, mais. Est-ce que nous attendions quelque chose de différent? Bah non, pas du tout. Ça, c'est fait. Hein. Comme ça, le prochain qui veut un petit coup de main pour se faire raboter les molaires, il n'y a aucun souci. Ah, maintenant, en gardant appuyé, je peux quand même tirer un bout de truc, comment dire, un bout de truc, quoi. Là, je garde appuyé, et là, il y a une boule qui va partir, normalement. Non, ok. Oula, déjà vu, revu ce boss, y'en a marre, là. En plus, je l'ai streamé il n'y a pas très longtemps, ce genre de boss. C'était dans un petit cave qui était bien sympatoche, d'ailleurs. Ah, c'est le petit tir du milieu, chaque fois je me prends. Oh là, je me suis pris toute la série dans la tronche. Pour l'instant, je suis pas très très enthousiaste. Alors, ça doit un poil s'entendre, parce que... Bah, c'est inspiré d'eux, ça ressemble à... Mais ça n'en a pas les qualités, ni la jouabilité, hélas. Donc du coup, c'est un peu tristouille. C'est dommage parce que le jeu est super joli, quoi. Mais en fait, c'est un clone d'un cave, grosso merdo. Je suis désolé, ça fait un peu vulgaire, mais on va dire les choses comme elles sont. Les mecs n'ont pas inventé une recette, ils ont allègrement repompé une recette qu'ils ont vue qui fonctionnait ailleurs. Et voilà, ils ont fait un très très bon boulot de repompe, ceci. Le jeu est praticable. Maintenant... on peut avoir l'original hein, pour le même prix. Donc c'est vous qui voyez, vous voyez. Moi je force personne. Mais oui, je suis neutre. C'est la facilité. Je vais pas m'engager sur les discussions à propos de mes amis helvétiques, parce que je risque de me faire des ennemis. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres dans ce pays. Enfin bon. Il est validé. Il n'ira pas croupir au fond d'une malle, au grenier ou dans la cave. Mais. C'est pas pour autant qu'il est sauvé. Parce que des shooters dans le genre, on en a eu de bien mieux. Ça peut être un peu prétentieux de lui attribuer des qualités qu'il n'a pas et qu'il n'a surtout pas inventé, quoi. Trop gourmand mon garçon, trop gourmand. Oh, oh, oh que c'est moche. Donc le principe c'est surtout de ne pas laisser l'ennemi s'installer dans les grands parce que peut y avoir des gros problèmes assez rapides. Voilà, ça s'en est un. Ça s'en est un autre. Pas compris comment je balançais ma boule d'énergie là. Je dois pas être très très bon, très aware sur ce jeu. La prochaine fois je lirai la notice, tout simplement. Ça va te calmer ça mon pote. Est-ce qu'il m'en reste une? Oula, j'ai plus de bombe. Ça sent le gaz.
En fait, le jeu est tellement classique que même sans l'avoir jamais parcouru, on a une bonne idée de où se placer. Donc, contrairement au premier boss qui était un petit peu en mode je te préviens pas trop quand je t'envoie la purée. Là, on a un petit clin d'œil quand même. On va voir si ça se vérifie sur la seconde partie. Je m'étais appliqué pour une fois, c'est dommage. Ou qu'il n'est pas content. Ou qu'il n'est pas content. On va finir ce boss, puis on va regarder le début du prochain tableau, puis je vous laisse découvrir la suite. C'est plus simple. Parce que moi, il me fascine pas énormément ce truc. Hein. Ça doit se sentir. J'ai pas une grosse affection pour. Qu'on appelle du néoclassicisme. Donc voilà. Allez, ratiboise-moi. Qu'on en finisse, qu'on s'en débarrasse. Fais de moi du métal broyé. Oula, 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 oula. Et c'est violent le déplacement à droite forcé là. Une mer de sang. Je suis trompé de buttons. Ils ont même repris le bouton inversé de certains caves. C'est assez rigolo. Oh là là, les changements de direction, c'est sauvage quand même. Les accélérations comme ça, vous passez sur des trucs. S'il tirait à ce moment-là, je fais quand même super mal. Il est bizarre ce jeu, il est très très bizarre. Il en reste pas mal jouable, mais c'est super strange quoi. Genre, il y a des bouts de tableau, on dirait, qui sont esquivés, alors que d'autres, bon, on fait durer le plaisir. Frôle la mort, un grand cascadeur, mais qui ne vécut pas assez longtemps pour être célèbre. Ah, ça passait, malade! Voyez là la bombasse, hein. Voilà, pour me faire des vacances. Mais on n'en est plus. Je
pense que c'est là qu'il va devenir moins comique. Non, tu n'appelles pas des amis? Étonnant. Bah dis donc, je devais mourir à ce niveau. Heureusement, c'est mon dernier vaisseau, donc le prochain sera le dernier niveau. Bien que le jeu doive en réserver d'autres, je présume. Quelle belle extermination, dites-moi. C'est ça comme je m'applique quand même depuis tout à l'heure. Alors, il faut dire, ça fera peut-être partie des critères du jeu. Hein. Il n'est pas si difficile que ça, sorti des petits moments de traîtrise où il va vous prendre, bah oui, un nouvel ennemi dont vous connaissez pas le pattern, machin, hop, effet surprise, il y a moyen de se faire exploser la tête. Mais sinon, bah, sans être super gamer, vous voyez bien qu'il y a moyen d'avancer. C'est tout lié en fait à ce que je disais, hein, ce jeu est vraiment classique. C'est-à-dire, même ce qu'il reprend n'est pas original, c'est du déjà vu. On a un remix de remix, grosso merdo. La boule apparemment c'est un truc qui se recharge mais j'ai pas trop pigé le fonctionnement précis. C'est ça qui me chagrine un petit poil. Parce que ce shield, bah, il a moyen de sauver quand même quand on arrive dans des zones où on se prend un encombrement massif d'ennemis qu'on n'avait pas trop prévu. Et bien placé sur l'écran, ça peut sauver la mise. Merde, je vais tirer pour rien. C'est un peu long ce passage à vide, c'est étrange. Oh, calme-toi! Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Va chercher des oreillettes. Tu n'es pas beau. Oh, bah. Mais quelle affreux! Non, je ne continuerai pas. Je vais vous laisser découvrir la suite de JStream. Par vous-même, ce sera beaucoup mieux. Hop. En voilà un beau jeu qui est totalement validé. En voilà un beau jeu qui ne rejoindra pas le top. Mais ça reste praticable, jouable. Si vous avez que ça sous la main pour passer un petit moment, bah mine de rien, le moment va pas être désagréable. Sur ce, je vous embrasse. Je vous rappelle que sur cette chaîne, vous pouvez retrouver dans le canal The Big Gameowski Général l'intégralité des streams qui ont été diffusés, y compris les nouveautés. Et vous avez, pour les petits pervers fans de boulettes que vous êtes, une rubrique à part, une playlist intégrale qui contient uniquement les shmups. Et puis vous fouillerez, vous verrez qu'il y a d'autres playlists intéressantes, mais qui sont extra-conjugales, on va dire, par rapport au thème qu'est le jeu vidéo. Sur ce, je vous dis à demain, 19h. N'oubliez pas de vous abonner sur le Twitter, c'est The Big Gameowski, tout attaché, avec le petit arrobas qui va bien devant. Je ne vous fais pas de bisous pour la peine, tiens. Je vous fais la poignée de main. Un peu la classe. Ciao.